Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 2 sur Mass Effect. On continue la partie qu'on était en français, on s'est arrêté en plein milieu. Et donc on va juste continuer tout ça, essayer de comprendre un peu plus tout ce système de points de pouvoir et d'armes, etc., etc. Ainsi que suivre l'histoire, bien entendu. Qu'est-ce que cette balise ? I don't know. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi je suis en plein milieu d'un truc que je ne comprends pas ce que c'est ? Il me dit qu'il faut que j'aille là-bas. Ah mais attends, mais la balise c'était ça là-bas? Je suis con, je le fais exprès. Ah oui, non, d'accord, il veut que je fasse des trucs précis genre en mode. Ok, c'est bon, je me suis arrêté là, très bien. Gauche. Ouais, très bien, ça paraît logique. Ok, très bien, la suite maintenant s'il vous plaît. C'est bon, j'ai tout sur le monde, je sais pas si t'as capté. On est mort en fait, actuellement. On sort plus. Ah, il fait que voilà j'appuie sur eux. Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui? Des hommes à nous ou par les guettes? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. On va au campement. C'est au sommet de cette crête, en haut des rampes. Je pense qu'on peut lui faire confiance. F6 pour effectuer ce sauvegarde rapide. Il y a un petit spatioport droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. Très bien. Je pense que ça doit être par là. J'imagine que ça doit être par la ladie en haut de la crête. Attends, je crois que j'ai une map. Quelque part. Cliquez sur les onglets de filtre pour passer d'un type d'objet à l'autre. Oh, mais ça va, oui, il y a trop de trucs. Oui, tu prends ça, oui, bien sûr. Non, je suis en train de me dire que j'ai pas de pistolet. Guisé. Équipé. Équipé, équipé. Bah, équipé, oui, si tu veux. Objet équipé, objet sélectionné. Oui, c'est bon. Tout va bien. Tout est bien qui finit bien. Pourquoi c'est pas le même? Bah équipé, ouais. De ouf. De ouf que j'équipe ça, c'est mieux. Omnigel, c'est-à-dire quoi Omnigel? Genre. Convertir cet objet en Omnigel. Ouais. Allez, faisons comme ça. Bref, j'ai pas tout compris de ce qu'il m'a raconté le bonhomme, mais c'est pas grave. J'ai fait moi. Qu'est-ce que je fais? Bah, ça doit être par là, écoute. Allons par là. Allons par là. Je suis pas sûr d'avoir une map. Ah, elle est là. Parce que j'étais là. Faut que j'aille au camp qui est là-bas. Peut-être le leader du commando de Pidlalaiden Pridlalap. Objectif principal de trouver. Oui, je sais, ça va. Oui, donc c'est ça, il faut que je retourne là où j'étais en fait. Très bien. Faisons comme ça. Kit médical. Non, j'ai rêvé. Aurais-je rêvé? Plus Medigel. Okay. Je ne sais pas ce que c'est le Medigel, ça va sûrement servir à me soigner, j'imagine. J'imagine. J'ai récupéré cette jette de là. Ouais. Est-ce que je vais comme ça moi? Il me dit que c'est pas par là. Il dit c'est par là. Non. Je me trompe? Me tromperais-je? Pourquoi il me dit que je bouge pas? Site de fouille. Comment? Non mais qu'est-ce que je fais de ma vie moi? Ouais, vas-y, on va mettre un marqueur. Ah bah oui, non, c'est bien ça. C'était pas par là. C'est bien ça. Bon, bah allons-y. Hein. Retournons en arrière.
C'était bien par là, en fait. Très bien. Pourquoi il me dit que je regarde par là, alors que je regarde par là? C'est vraiment débile. C'est pas grave. Peu importe. Par contre, ce qui me stresse, les jeux, quand on peut pas sauter, ça me stresse. Genre, l'espace, ça sert à changer les armes, ok, très bien. Sauter, c'est important aussi, les gars. Sauf où je passe par là. Non, pas l'air d'être là. Pas l'air d'être là, du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient de là. Ah, mais il fallait que je passe par derrière pour monter. Ben voilà aussi, gros débile. On dirait que le camp de recherche a été sabré. Salement attaqué, ouais. Restez sur vos gardes. Ah, qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu prendre dans la gueule pour venir comme ça? Ils sont encore vivants. Qu'est-ce que les gars leur ont fait? Puis sur R pour lancer une grenade. Et puis des zombies. C'est des zombies. What the fuck? Wow, wow, wow! Changement d'arme! Prendre le pistolet. C'est pas ça que je voulais comme arme! C'est cool. Je peux pas toucher des fois, non? Ça te dit pas? Et ah! J'en ai marre de lancer des grenades quand j'essaie de recharger. Y'a pas de balles. Ce jeu. Ce qui est plutôt pratique d'ailleurs, hein, mais bon. Puis sur eux. Qu'est-ce que c'est que ces bugs d'image là? C'est trop bizarre. Ils doivent agoniser pendant des heures avant de crever. Ouais, et moi. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse pour moi? Danger niveau 3. Ah oui, d'accord, je. Très bien. Pour atteindre le noyau central en évitant les programmes de sécurité. Tenter un override manuel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Waouh, qu'est-ce que... Quoi? Hein? De quoi? Hein? Ok. Excellent. Voilà, monsieur, je peux des humains. Tout ça. Loué soit le créateur. Loué soit le Vite, créateur. Fermez la porte avant qu'il revienne. Que faites-vous là? Je suis le docteur Warren. J'étais responsable des fouilles. Nous nous sommes cachés dans l'abri pendant l'attaque. Ils ont dû venir pour la balise. Heureusement, elle n'était plus ici. Elle a été expédiée au spatioport plus tôt dans la matinée. Manuel et moi sommes restés pour démonter le camp. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Ah, les marines. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Ils sont bons. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Williams, emmenez-nous au spatioport. Vous n'y pouvez rien. Personne n'y peut rien. La nuit tombe, la nuit éternelle. La nuit éternelle. Chut, Manuel, va t'allonger. Tu te sentiras mieux quand le médicament aura fait effet. Manuel, ferme ta gueule. Tu dis de la merde. D'accord, ok, très bien. Mais moi, je suis venu chercher une balise au départ, ok? Elle est où cette putain de balise? Ouvrir le conteneur, il y avait écrit ouvrir le conteneur. Identifiez vos cibles, il peut y avoir des civils. Pourquoi je peux pas? Enfin! On se croyait en sécurité ici. Et puis les guettes sont arrivées. Oui, j'ai capté ça. C'est pas toi que je parle. C'est pas toi que je parle, j'essaie d'ouvrir les conteneurs, bordel de merde. Ça va se payer au centuple tout ça. Mais oui, c'est bien, bravo. On devrait partir, commandant. Oui, c'est ça! Ça sent la fumée et la mort. Ah! Pousse-toi, c'est bon, mets-soulé. On va voir par là ce qu'il y a. Je suis jamais allé encore. Ah, mon pote. Ah, mais il y a un autre spectre. Enfin, non, c'est quoi comme. Sa reine? Ah, oui, c'est ça, c'est un autre spectre. Il a beaucoup moins sympathique, lui, par contre. Qu'est-ce que tu fais là?
Tu n'es pas en mission. Lui, il est trop stylé. Le conseil a cru bon de m'envoyer t'épauler. Ah ouais ? Moi, je sens pas ça. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Au contraire, ouais, je me charge de tout. Non ! Non ! Me tue pas ! Non ! C'était mon pote ! T'as pas le droit de faire ça ! Qu'est-ce que c'est là-bas au loin ? Salaud ! Je vais te buter ! Non mais vous avez vu la taille ? Allez, sois un peu plus précis, bordel de cul. Oh, bordel de merde. Le vaisseau, quel vaisseau ? Ah ! Le vaisseau. Merde, je rentre. Je l'ai touché ? Allez. Allez, pour une fois qu'il bouge pas. Ah ! Merde, voilà. Salaud. Ah putain, je me trompe à chaque fois. Fuck. Dis-moi que t'es pas mort, Nihus. Je t'en prie. Ne meurs pas. T'es mon poteau. T'as pas le droit de mourir comme ça, je t'interdis. Commandant, c'est Nihus. Nihus, il est mort. Dis pas qu'il est mort. Please. As-tu rien ? Vous le connaissez ? Oui, ça va, ferme ta gueule, t'es cool. C'est un spectre. Il était avec nous sur le nord. Il y a quelque chose qui bouge, là, derrière ces caisses. Attendez, ne tirez pas. Je suis des vôtres. Je suis humain. J'aurais pu vous tuer pour avoir essayé de nous prendre en traître. Non, je voulais juste me cacher. Pour échapper à ces créatures. Je m'appelle Powell. J'ai vu ce qui est arrivé à ce Turien. C'est l'autre qui l'a flingué. Comment ça, quel autre ? Un autre Turien, vous voulez dire ? L'autre Turien était là en premier. Votre ami est arrivé après. J'ai entendu le nom Saren. Apparemment, ils se connaissaient. Votre ami a eu l'air de se calmer, il a baissé sa garde. Et ce Saren lui a tiré dans le dos. Heureusement que j'étais Sam à l'abri Saren. Derrière ses caisses. La balise, ouais. On nous a informé qu'une balise protéenne se trouvait dans le spatioport. Où est-elle ? Sur l'autre plateforme. Je parie que ce type-là, ce Saren, c'est là qu'il allait. Il a sauté sur le train de marchandises après avoir refroidi votre ami. Je savais que cette balise attirait les ennuis. Tout est allé de travers depuis qu'on l'a trouvé. D'abord cette saloperie de vaisseau-mère apparaît, et ensuite cette attaque. Tout le monde est mort. Tout le monde. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses, sans quoi j'aurais clamsé aussi. Mm-hmm. Et vous êtes le seul à avoir survécu. Pourquoi personne d'autre n'a essayé de se cacher derrière les caisses ? Mm-hmm. Ils n'ont pas eu le temps. Moi, j'étais déjà derrière les caisses quand on s'est fait attaquer. Tu le savais, hein ? T'es un traître, en fait. Attendez un peu. Vous vous cachiez là avant l'attaque ? Oui, bon, ça m'arrive de faire une petite sieste, histoire de tenir le rythme, quoi. Je me cache derrière les caisses, là où le contremaître peut pas me voir. Ouais, je te crois pas. Il a survécu par pure fainéantise ? Ah ouais, pour de vrai. Si vous ne vous étiez pas esquivé pour faire cette sieste, vous seriez mort comme les autres. Oui, sans doute. J'ai pas trop envie d'y réfléchir. Ok, bon, on se casse. On se casse, mais il est pas net. Il faut retrouver cette balise avant qu'il ne soit trop tard. Moi, je demanderai plus d'informations. Prenez le train de marchandises. C'est ce qu'a fait l'autre Turien. Je peux pas rester là. Il faut que je me casse d'ici. Ok, bah vas-y, casse-toi. Des ennemis. Oh, ils m'ont vu. Moi, je vais rester au pistolet au pire. Hein. Tu veux pas apprendre à viser des fois dans ta vie ? Putain. J'ai vu ça. Waouh ! Il en a presque plus de vie. Comment je fais pour lui en redonner ? Il peut pas se soigner tout seul comme un grand ? C'est pas possible. Déplacement, attaque, tenir la position, regroupement, recharge de bouclier. Permet de tirer de longue rafale précise au fusil d'assaut. Okay, bien.
ennemis, les objets précieux violemment projetés vers l'arrière. Ok mec, mais j'aimerais bien juste te soigner en fait. Ces balles pour en toucher qu'une quoi. Sérieux. Protection contre les destroyer gate. Ok. Kaitan. Kaitan. Elle est où? Elle est où? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu vas mourir toi, non? Ashley est morte? C'est vrai? Ah ouais. En fait, les gens peuvent vraiment mourir. Ah, Ashley. Dans cette ma pote, elle aussi. Pourquoi elle est morte? Ah, j'ai l'impression que je suis plus précis qu'avant. C'est bon, tu peux l'utiliser ton truc là ou... Ouais. Non, sur lui. Ok, faut que je vise. Oh. Intéressant. Ah, en fait, quand je commence le truc, quand je vise pour la première fois, c'est un peu plus précis. Ah bah il est mort aussi. Bon bah tout, on est mort, c'est parfait. On rappelle le bon vieux temps quoi. En fait si tout le monde est mort la dernière fois c'est juste parce que je suis doué. Tu vas prendre la visée ou quoi là? C'est possible. Bon, écoute. On va avancer un peu. Hop. Voilà. Beaucoup mieux comme ça. Beaucoup mieux comme ça. Je suis sûr que je serai le seul survivant de cette mission. Ouais, je suis déjà le seul survivant. En fait, je sais pas comment on fait pour soigner tout ça. Donc. Du coup, c'est un peu compliqué. Hein. Ah, mais ça y est, ils sont revivants. Il faut que j'ai pris toute la gloire, les gars. J'ai tous buté. Et oui. Eh oui, c'est comme ça qu'on fait. Je crois qu'on a gagné, commandant. Je crois qu'on a gagné, commandant. J'ai gagné, tu veux dire, hein. Tous morts comme des grosses merdes. Bande de level. Bon, mais ça va, s'il ressuscite, c'est pas mal. Alors, commande du train activée. Oui. Oui, faisons comme ça. Ça m'a l'air d'être la bonne chose à faire. Tout à fait. Armez les charges, détruisez toute la colonie, effacez toute trace de notre présence. Trop tard, mec. Je sais que t'es venu. C'est pas genre. Putain, ton pote est tellement cool là. Je suis tellement triste. Pourquoi c'est toi qui survis, c'est lui qui meurt? Mais il va te faire péter. Ça ne va pas du tout ça. Tu me voles. Tranquille. Ils sont où? À couvert. Quoi, à couvert? Des charges explosives. Un cadeau des guettes probablement. Pas que. Il faut les trouver, les désamorcer toutes. Vite. Toutes. Bah vous attendez quoi? Allez-y. Qu'est-ce qui me tire dessus?
va. Je suis pratiquement sûr de l'avoir. Les autres qui vont tous crever de toute façon. M'en fous, je suis là pour tous vous. Ah oh. Ah mais d'accord, ok. Ah tiens, j'ai trouvé la touche pour changement d'arme. On prend le pistolet, c'est beaucoup trop près. Doucement aussi. Hop. Moi aussi, je vais presque crever en soi. Pourquoi je peux pas viser? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et comment je fais pour me soigner d'abord? Qu'est-ce que... Pourquoi je peux plus viser là? C'est quoi ce délire? Allô? C'est très étrange. Comment je fais pour me soigner? J'aimerais bien savoir. Vas-y, on va voir les touches parce que ça va pas le faire, ça, je pense. Ça va pas le faire. Journal peut-être, non? Mission, affectation. Non, c'est pas ça. Codex. Oui, c'est ça. Armes, armure et équipement. Les armures de combat sont des. Les barrières. Ça, je m'en fous de ça. C'est les touches qui m'intéressent. Paramètres, commande, interaction, équipement, navigation, arme, premier secours, F. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Très bien, et là je peux viser maintenant. C'est trop bizarre. Trop bizarre. J'ai plus beaucoup de temps, les gars. Arrête de bouger comme un gros débile. Tue-moi, c'est. Putain, tu fais chier, mec. Franchement, tu fais chier. Ah mais j'ai touché, c'est juste la balle, elle a mis 10 ans pour y aller quoi. Et... Hop, très bien. Il me reste combien? Un, une, là. Il en reste une. Il en reste une. Blague. Elle est où? C'est sûr. Je sais pas qu'elle est là-bas. Non mais non. Mais enfin. Brouillage. Il y a un mec là-bas, ok, très bien, mais en fait, il faut que j'aille là-bas, je crois. Wow! C'est gros. Quoi là-dedans? Il y a plein de trucs. Prendre. C'est là-bas. C'est là. Wow! On se calme. Ah non, pas eux. Please. Bon, ok. On va y aller en manière un peu plus barbare. J'ai dit de manière un peu plus barbare. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Meurs ou comment se passe la vie là? C'est une blague. J'ai plus beaucoup de temps là, j'ai plus qu'une minute 50. Elle est où? Elle est où cette balise? Saloperie. Eh bien. Tu cours ou t'attends quoi là? Ah, un override manuel, ok. J'ai 12 secondes. C'est chaud? Ça. Allez, bitch. Tu me casses les noces, hein. C'est lent que ça en peut plus. Oh là là, c'est terrible. Je veux y arriver. Alors j'y arriverai. Voilà. C'est si compliqué pourtant. Bordel. Bon alors, elle est où cette balise là? Je peux pas aller par là, mais je peux aller nulle part, mais what the fuck? C'est pas possible. Mais c'est bon alors. J'ai toutes avancées, c'est bon. Je comprends pas.
Je ne comprends pas. Il m'en reste une, je sais pas où elle est. Peu importe. C'est l'échec de la mission, tout va bien, c'est bon. Il y en a plus. Je comprends pas. Il veut me faire aller à un endroit, je sais pas où c'est. Si, c'est là-bas, genre, mais j'y comprends rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement ? Va savoir. Eden Prime ne pourra jamais se relever. Ok, c'est cool ta vie. On va attendre la fin du temps imparti, hein. De toute façon, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre au final. Mais là-bas, mais vous êtes sérieux là ? Pourquoi c'est pas indiqué sur la map ? C'est une blague. Oh putain, du coup c'est vraiment... Come on. Non mais c'est bon, je l'ai désactivé. Non. What the fuck. J'ai critique de la mission. J'emmerde le monde. Des charges explosives. Sérieux, je reprends de là. Une blague. C'était même plus... C'était même pas... Faut les trouver, les désamorcer toutes. Regarde, envers sa fissa. Pas le temps d'attendre. Pas le temps d'attendre. Je vais me soigner. Hop, premier soin. On va y aller en mode fissa, fissa. Tu veux pas bouger? Devant moi, comme ça. La bitch. Tire-moi ce bouclier là. Ça va. Et maintenant que je sais que t'es là, bah je te désamorce. Hein. Putain. C'est portable. Elle est où la dernière? Je me souviens plus. Ouais, j'imagine. Non, je suis où? Il est saoulé, les gars. Premier soin, c'est un peu de musique. C'est bon, c'est fini les conneries. Hein. Qu'est-ce qu'il me raconte qu'elle est là, la balise? Ah, mon dieu. Désolé, mon micro étant tombé, j'ai dû bien évidemment le remettre au droit. Pourquoi je ne peux plus courir? Va savoir. Tellement de questions sans réponse. Allez, tiens. C'est bon. C'est gagné sans aucun souci. J'ai juste à la récupérer de ce que j'ai pas pu récupérer du coup. Je suis mort comme une grosse merde. Ce que je suis censé faire au final, mais bon, c'est pas grave. Je vais juste me contenter de. D'ouvrir le truc qui est là-bas au fond. On se soigne aussi, j'ai quoi faire. Ah, ça ne soigne pas que moi, ça soigne tous les autres aussi.
Stylé. Toi, tu... t'arrêtes de me casser les couilles, toi, ou comment ça se passe ta vie là? Possible ça. Tout prendre. Voilà. J'ai des envies de meurtre. Ah oui? C'est cool. Peut-être parce que t'es mort 3 ou 4 fois depuis que t'es là. Te donner des idées un peu. On devrait dégager. Qu'est-ce que tu fais? Oui, oui, bah oui, d'accord. Très bien. On va savoir plus. Ah! C'était donc là. Normandie, la balise est sécurisée. C'est incroyable. Demande évacuation immédiate. Un artefact protéin en état de marche. Vraiment fabuleux. Elle faisait pas ça quand on l'a déterrée. Quelque chose a dû l'activer. Ou quelqu'un. Bien reçu, Normandie. On reste en stand-by. What the fuck is happening to me? Non. What the hell? 50 millions d'histoires dans ta gueule. Non, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Très étrange tout ça. Beaucoup de vision. Nous avons identifié le vaisseau qui s'est posé sur Eden Prime. Il s'agit du Normandie, un vaisseau humain de l'Alliance. Il était dirigé par le capitaine Anderson. Ils sont parvenus à sauver la colonie. Et la balise? L'un des humains a peut-être réussi à l'utiliser. Mais c'est le même que tout à l'heure. Alors, il faut l'éliminer immédiatement. Oh non, fais pas ça, les gars. Je sais pas que j'ai une vie de merde, quoi, s'il vous plaît. Soyez sympa avec moi. Docteur, docteur Chakwas, je crois qu'il se réveille. T'es sûr? Parce que je suis en train de me mettre assis là. Vous nous avez inquiétés, Shepard. Comment vous sentez-vous? Petite gueule de bois, quoi. Qu'est-ce que je fais ici? Combien de temps je suis resté dans les vapes? Une quinzaine d'heures. Cette balise vous a fait quelque chose, j'ai l'impression. C'est ma faute. J'ai sûrement déclenché une sorte de champ de sécurité quand je me suis approché. Vous avez dû me pousser de là. Qu'est devenue la balise? Où est-elle? Elle a explosé. Surcharge du système, peut-être. L'explosion vous a mis KO, du coup le lieutenant et moi, on vous a transporté jusqu'ici. Quels sont les dégâts, docteur? Physiquement, vous allez bien, mais j'ai détecté une activité cérébrale étrange, des ondes bêta anormales. J'ai aussi remarqué des pics d'activité durant le sommeil paradoxal. Ce sont des signes typiquement associés à des rêves intenses. J'ai vu... En fait, je ne suis pas certain de ce que j'ai vu. La mort, la destruction, rien n'est vraiment clair. T'as des yeux chelous, mec. Tu bouges à l'envers. Je vais ajouter ça à mon rapport. Ça pourrait... Oh, capitaine Anderson. Comment va notre commandant en second, docteur? Tous les examens ont l'air normaux. Je pense que le commandant va s'en remettre. Ravi de l'entendre. Shepard, il faut que je vous parle, en privé. À vos ordres, capitaine. Je serai au mess si vous avez besoin de moi. C'est ça, avant le prêtre. On dirait que cette balise vous a bien secoué, commandant. Vous êtes sûr que ça va? Je survivrai. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Ça se présente mal. Nihlus est mort. Oui, Nihlus est mort, bordel. Les guettes nous envahissent. Le conseil va vouloir des réponses. Les guettes auraient massacré toute la colonie si je ne les avais pas arrêtées.
Je vous soutiendrai, vous et votre rapport. En ce qui me concerne, vous avez l'étoffe des héros. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Il s'agit de Saren, cet autre Turien. Saren est un spectre, l'un des meilleurs, une légende vivante. Mais s'il collabore avec les Guettes, ça signifie qu'il a changé de camp. Apparemment, et un spectre renégat, c'est le début des ennuis. Saren est dangereux et il déteste les humains. Mais ce n'est pas par anthropophobie qu'il est venu sur Eden Prime. Vous avez raison. Saren s'est allié avec les Guettes. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais ça a un rapport avec cette balise. Heureusement, j'ai détruite alors. Plus de problème. Vous étiez sur place juste avant que la balise ne s'autodétruise. Vous avez vu quelque chose? Un indice qui pourrait nous indiquer ce que cherchait Saren? Juste avant de perdre connaissance, j'ai eu une sorte de vision. Une vision? Qu'est-ce que vous avez vu? Alors moi, personnellement, j'ai pas vu grand-chose, mais apparemment, lui, il a vu des trucs. Un avertissement, la guerre ou notre mort. Je dirais plus comme un avertissement. J'ai vu des créatures artificielles, les Guettes peut-être, massacrer des gens. Un vrai carnage. Il faut signaler ça au conseil, Shepard. Pour leur dire quoi exactement? Que j'ai fait un mauvais rêve? Nous ignorons quelles informations étaient stockées dans cette balise. Une technologie protéine disparue? Les plans d'une ancienne arme de destruction massive? Quoi qu'il en soit, Saren s'en est emparé. Mais je connais Saren. Je connais sa réputation, sa manière de faire. Il pense que les humains sont une plaie pour la galaxie. Cette attaque, c'était un acte de guerre. Mais donc c'est toi qui vas déclarer la guerre? Il possède les secrets de la balise ainsi qu'une armée de Guettes à ses ordres. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir éradiqué l'humanité de toute la galaxie. Pas si je trouverai un moyen de le vaincre. Ce n'est pas si facile. C'est un spectre. Il peut aller partout et faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est pour ça que nous avons besoin du conseil. T'as pas besoin d'être un spectre pour départ. Si on arrive à prouver que Saren est un traître, le conseil le destituera. Je vais prendre contact avec l'ambassadeur, voir s'il peut nous obtenir une audience avec le conseil. Il voudra nous rencontrer dès que nous serons à la citadelle. On ne doit plus être très loin. Montez sur le pont et dites à Joker de nous conduire à quai. Chef, oui, chef. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, c'est là que s'arrête l'histoire. Je suis très triste que Nilo soit mort. C'était mon meilleur pote, mon meilleur ami. Ça fait des années qu'on traînait ensemble. Ben, d'une balle dans le dos, c'est plus ce qu'il m'en faut. Du coup, ben, je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, salut!